Bonjour, aujourd'hui on revient vers vous avec un HEC diplômé en 1991. Il est directeur général d'une société qui fait du financement de projets dans le secteur du bâtiment, Rabot du Tilleul Partenariat. Et surtout, il a fait HEC et il ne s'en excuse pas, comme dans le fameux livre de Florence Noiville. Au contraire, il a fait HEC et il en est fier. On est avec Olivier Lézy. Bonjour. J'ai commencé ma carrière dans un holding financier, qui est un holding financier à l'ancienne, avec moquette épaisse, lustre en cristal, etc. La série d'entretiens que j'ai passé, j'ai dû en passer une demi-douzaine, s'est achevée par l'apothéose, c'est-à-dire que j'ai été présenté à Monsieur Worms, puisque c'était Worms et compagnie, pour ne pas les nommer à l'époque, qui m'a reçu très gentiment dans sa véranda, parce que Monsieur Worms avait une véranda au dernier étage de l'immeuble du 8e arrondissement, avec des canapés rococo en cuir vert, je m'en souviens très bien. Et Monsieur Worms m'a offert une tasse de thé, et c'était la consécration suprême. Il y a une culture de l'arrogance quand même dans les écoles de commerce, parce que c'est du commerce, et on apprend aux gens l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise ? C'est il faut vendre. Et pour vendre, il faut avoir confiance en soi. Et donc cette culture, elle imprègne finalement, malgré tout, peut-être pas l'enseignement, je pense pas d'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'ai développé par ailleurs, mais l'état d'esprit. L'état d'esprit qui est un état d'esprit vendeur. Et un vendeur, c'est meilleur. Voilà. Dès qu'on rentre dans le contenu d'une pratique professionnelle, d'une technique professionnelle, très très vite, le jeune diplômé, il est largué. Donc, celui qui est en face a quand même le pouvoir, donc c'est à lui aussi de gérer cette relative arrogance quand elle existe. Je pense qu'il suffit juste de parler de son métier, donc d'amener la conversation sur le métier, et là, l'HEC, tout omniscient qu'il soit et brillantissime, il est sur un terrain qu'il ne connaît pas, donc ce qui doit l'amener immédiatement à la modestie, et sinon il est perdu, c'est perdu d'avance. Ma femme revient en disant, voilà, il y a un petit bouquin que mon club m'a passé, j'ai fait HEC et je m'en excuse. Je dis, bon. Alors évidemment, ça a immédiatement suscité mon intérêt et j'ai été scandalisé. J'ai été absolument révolté par ce bouquin que j'ai trouvé, j'ose le dire, nul et vraiment mal étayé, jouant sur des ressorts, sur des émotions, jouant sur des clichés. Et ce qui m'a profondément blessé, et c'est là, je pense, le ressort du fait qui a abouti au fait que j'ai pris ma plume, c'est que ma femme m'a dit « mes copines ont trouvé ça vachement bien ». Donc, des gens qui ne sont pas du tout dans le système des grandes écoles, qui sont très éloignés de la crise financière ou de la crise économique, quelle que soit leur activité, hein. Ils vont garder dans la tête un tas d'idées négatives, fausses et nuisibles, dangereuses, sur les élites en France, la manière dont fonctionne l'économie, et ils vont trouver aussi des coupables. On n'est plus dans un système de logique, on est dans un système de valeurs. La crise économique provient d'un libéralisme sauvage. Le libéralisme, c'est quoi? C'est des valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est les écoles de commerce. C'est ce qu'ils ont enseigné. Donc, tous les diplômés qui partagent forcément ces valeurs sont forcément coupables. C'est un processus stalinien. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de parler ici du goulag. Mais moi, ce qui m'a interpellé, et c'est ça qui me scandalise, c'est que finalement, c'est exactement la même mécanique intellectuelle. À un moment, il y a un chapitre tout à fait intéressant où Florence Naville discute avec un de ses copains qui a fait HEC comme elle, un camarade de promo. Et tout fier, le copain d'HEC dit « voilà mon fils, alors je suis très content parce qu'il est en prépa HEC, il est rentré et ça lui plaît. » Et Florence écrit « mais a-t-il conscience que son fils sera plus tard le véhicule du libéralisme sauvage que je dénonce aujourd'hui, puisqu'il va faire HEC. Donc, le fils de mon copain est un exploiteur en puissance. Il est mauvais. Donc, on a exactement le même raisonnement de responsabilité collective. Ça, c'est un processus tout à fait intéressant, qui est en gros le processus que j'appelle le processus de la repentance. Il consiste à dire, je crée un scandale, je pointe un scandale, je m'indigne. Forcément, j'ai raison, puisque je dénonce un problème moral. Donc, vous allez forcément vous intéresser à ce que je vais vous dire.
Et moi, je suis la morale, donc je suis légitime, et donc je peux dire en gros n'importe quoi. On est dans un système où les élites se matraquent elles-mêmes, et c'est extrêmement dangereux. On dit aux gens, regardez le coupable, regardez le bouc émissaire, regardez le méchant. Et dans ce système-là, on travaille les peurs de la société, on lui fait perdre ses repères, on est dans la démagogie, on est dans le populisme, et je trouve navrant que ce soit les gens, justement, qui soient formés pour guider la société vers plus de raison, vers plus de justice, qui fassent ce travail-là, qui est un travail de destruction. Je vais le dire très franchement, je me suis jamais senti comme quelqu'un d'arrogant. La qualité que j'aimerais avoir... J'aimerais avoir le culot et l'arrogance, par exemple, de Florence Noiville. Je pense que ça doit être pratique dans la vie.